part un matin. Pas un seul bruit. Le silence est d'or. Et nous aussi. Quelques traces de vin et de vomi prouvent bien que le décor, pendant la nuit, par des moments succincts, a bel et bien subi le spectacle des corps se libérant de leur folie. Voilà que commence le sermon. Pareil, boire, c'est pas bon. Pourtant, je vois pas en quoi le bas blesse. C'était la fièvre du samedi soir. Partir trouver leur jeunesse. Maman, papa devaient rentrer tard. La maison pour moi tout seul. Des amis à l'appel. Et comme la solitude ça saoule, j'ai lancé un appel. Soirée pop, rock et soul. Quand pour tenir la chandelle, il faut boire tout son soul et bouger à l'extrême. On n'a pas inventé grand chose, on fait juste que répéter. On remet certes à notre pour se l'approprier. Moi, mon père a l'alcool intellectuel. Pour ma mère, la cigarette est un calmant. Depuis toujours, c'est un noble rituel que l'on sait tout ce qu'il ment. Quand malgré ses vices, on continue quand même à se tuer tranquillement. On va pas refaire le monde. On fait que faire ce que le monde est. Si le spectacle est immonde, c'est qu'on nous l'a enseigné. Fin de repas. Un de vos amis va conduire. Problème, il a trop bu. A. Je lui propose de dormir ici. B. Je n'ose pas. A. J'insiste, j'appelle un taxi. B. Non, il risque de se fâcher. A. Je lui prends ses clés. B. Après tout, c'est son problème, il sait ce qu'il fait. B. Maintenant, c'est aussi mon problème. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. En vacances, on aime la modération. À peine sorti de l'avion, on connaît déjà tout le monde par son prénom. On mange tout le monde ensemble. On fait des pyramides géantes. Et des nuits entières de salsa. Qu'on finit avec un bain de minuit. Côté alcool, c'est modéré. C'est-à-dire? Maximum pour les femmes, 2 verres par jour. Et 10 par semaine.
Pour les hommes, 3 par jour. Et 15 par semaine. Et on ne boit pas tous les jours. Modérer l'alcool, ça veut pas dire modérer le plaisir. Éduque Alcool, la modération a bien meilleur goût. Bon, vous faites quoi là? On est sur le parking et on commence à se faire chier donc. T'es con hein. Frédéric Rollin-Jacquet. Voilà, madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et ? Il a perdu la vie, madame. Ça va vous demander beaucoup de courage, madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner pour reconnaître votre fils. Le premier secours numéro 4, accident de la circulation confirmé. Deux véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Nous demandons ambulance de réanimation du SAMU. J'ai une personne inconsciente. Reçu. Une personne. Ouais. Le bébé, tu le mets dans l'ambulance. Deux personnes légères avec un enfant qu'on a fait sortir. D'accord. Voilà. Véhicule fortement endommagé. Je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. J'ai une personne a priori Delta Charlie Delta. On a une personne à état de mort apparente qui est sur le sol. Avec perte de substance crânienne importante. Allô? Julien? C'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là.
Des sensations trop extrêmes. Welcome home, buddy. You and me, we were made for love. A lifetime is not long enough to show you what you mean to me. See you later, buddy. Thank you.
sorry. I decided I shouldn't drive home last night. I stayed at Dave. Ooh, when you come home. I'm back. To me. Yeah, I'm back. Mauvaise journée.